devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. Ah, on s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir de profondes fissures, faites par un objet lourd. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. Tiens, la taille correspond. L'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Faut combattre le mal par le mal. T'aurais pas de la vodka? Bon sang. La piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. Je crois que j'ai chopé la gale. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta compagnie ? Alors Ciri est venue ici. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia Van Bredvoort. Où Ciri s'est-elle procuré ça ? Une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. Elle appartient à Gretka.
tous. Ce bon baron veut pacifier, Tu dois être Gatka ? Oui, et toi tu es Geralt. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, tu as les cheveux blancs et un médaillon en forme de loup. C'est Ciri qui m'a parlé de toi. Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi ? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait ? Ou ce qu'elle était venue faire ici ? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Mais si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvé. Je me demande si elle a pu aider son ami. Ciri voulait aider un ami. Tu sais de qui il s'agit ? Comment ça, qui ? Son ami ? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Ça te dit quelque chose ? Ma toupie, où tu l'as trouvée ? Dans la chambre de Ciri. Ah ! On jouait dans sa chambre parfois. Ciri l'a sculptée pour moi un jour où j'ai été triste. Dommage qu'elle a dû partir. Non, un jour je lui ai apporté le déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où ? Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Ciri m'a laissé un cadeau. Un cadeau ? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien. Ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Merci, Gatka. Amuse-toi bien. Mais je m'amuse pas, moi, je travaille. Hé, hey, Grison, ta
T'as la tranche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. De l'encens et une vieille clé. Je me demande ce qu'elle ouvre. Anis, bois de santal et autre chose. Du safran. Tiens, très moche cette poupée. Le genre qu'on transperce pour faire du mal à quelqu'un. Putain de gueule de bois. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi ? Je crois que j'ai fait le tour. Bon, ramène la crampe. Je crois qu'elle pionce, la crampe. Bah alors, qu'est-ce que t'attends pour la réveiller si elle pionce ?